بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أعزائي الكرام في درس جديد، لسون جديد، فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. ومن في هذا الفيديو غادي ندرسو الجروب نومينال سوجي، غادي نعرفو هذا الجروب نومينال سوجي وفين يمكننا نستعمله. دونك هذا الدرس كاين في لونيتي 2 اكتيفيتي دو لا غرامير سومي 1 اي 2. اون كومونس بار لوبسرفاسيون اي ديكوفيرت. عندنا واحد 3 فراز. Les touristes observent les images. Le guide explique aux touristes le programme des visites. Les visiteurs se dirigent vers le monument. Je répète, les touristes observent les images. Le guide explique aux touristes le programme des visites. Les visiteurs se dirigent vers le monument. On commence par les 6 questions. La première question, qui observe les images ? Les touristes observent les images, donc c'est les touristes. Que font les touristes? Les touristes que font? Observent les images. Observent les images. Question 3. Qui explique aux touristes le programme des visiteurs? Qui explique aux touristes le programme des visiteurs? Donc ici, le guide explique aux touristes le programme des visiteurs. Donc c'est le guide. Le guide. Que fait le guide? Le guide explique aux touristes le programme des visiteurs. Explique aux touristes le programme des visites. La question 5. Qui se dirige vers le monument? Qui? C'est les visiteurs. Les visiteurs. Les visiteurs. Les visiteurs. Que font les touristes? Que font les touristes? Donc, on a un deuxième khata. Que font les visiteurs? On a un deuxième khata. Que font les visiteurs? Les visiteurs se dirigent vers le monument. D'accord? Se dirigent vers le monument. Donc, quand nous allons à j'observe et je découvre, on passe à manipuler et réfléchir. Je complète le tableau suivant à partir des phrases données. Donc, il y en a 4 phrases. Les touristes arrivent au Maroc. Le guide et les touristes visitent le mausolée Mohamed V. Deux personnes prennent des photos. Mes voisins sont partis en voyage. Mes voisins sont partis en voyage. Donc, on cherche le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Où est le groupe nominal sujet et où est le groupe verbal? Donc, regardez, le groupe nominal sujet se trouve où? Se trouve toujours avant le verbe. Ça, c'est le verbe arrive, arriver. Le groupe nominal se trouve avant le verbe. Et le groupe verbal, c'est le verbe plus les mots qui suivent le verbe. Le groupe verbal, c'est le verbe ou les mots, yani les mots. Donc, le groupe nominal, c'est les touristes. Les touristes. Le groupe verbal, c'est arrive au Maroc. Je vous remercie de vous écrire ou si vous n'avez pas écrit, dites-le dans les commentaires pour que vous puissiez écrire, Inch'Allah, dans le style. Le guide et les touristes visitent le mausolée Mohamed V. Groupe nominal, on a le verbe. Groupe verbal, où est le verbe et les mots qui suivent le verbe. Groupe nominal, donc c'est le guide et les touristes. Groupe verbal, c'est visite le mausolée Mohamed V. La troisième phrase, deux personnes prennent des photos. Groupe nominal, c'est avant le verbe. Le verbe, c'est prendre ici. Donc, deux personnes.
Groupe verbal, c'est prennent des photos. Mes voisins sont partis en voyage. Donc, mes voisins sont partis en voyage. Où est le verbe? C'est le verbe partir conjugué au passé composé. Sont donc ici, mes voisins, c'est le groupe nominal sujet. Mes voisins. Groupe verbal, c'est sont partis en voyage. D'accord? Question B maintenant, je donne une phrase et j'indique le groupe nominal sujet et le groupe verbal. On prend l'exemple de les élèves jouent dans la cour. Les élèves jouent dans la cour. Donc, Naya, on a radin star, elle a le groupe nominal sujet, ou radin entouré. Donc, elle est le groupe verbal. Donc, le groupe nominal sujet, ou elle est le verbe. Le verbe, c'est le fait de jouer. Les élèves, que font les élèves? Les élèves jouent dans la cour. Qui joue dans la cour? C'est les élèves. D'accord? Donc, ça, c'est groupe nominal sujet. Et ça, c'est le groupe verbal. D'accord? Passons maintenant à la règle je retiens. Donc, la règle, c'est la suivante. La phrase se compose de deux parties. Le juste les parties. Le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Le groupe nominal sujet plus groupe verbal. Le groupe nominal sujet peut être soit un nom propre, ou là un nom commun, ou là un pronom personnel. Groupe nominal sujet, les touristes, le guide, les visiteurs. Imma qui compte nom propre, bhal Ahmed, Fatima, Leila. Ou là qui compte un nom commun, bhal les touristes, ses enfants, mon ami, le guide. Ou là qui compte pronom personnel. Kankolo, il fait les bêtises. Donc, il, ou là elle, ou un pronom. Ok, d'abord, groupe nominal, sujet. Donc, groupe nominal, sujet qui compte imma un nom propre, bhal Ahmed ou Leila. Un nom commun, le guide, les touristes, ses enfants, mon ami. Un pronom personnel, je, tu, il, nous, vous, etc. Un groupe de mots, les cons, groupe de mots, le père de Nabil, cette jeune et respectueuse personne, groupe de mots. Ou le groupe verbal peut être formé d'un verbe, Leïla travaille, ou bien d'un verbe et d'un complément, Ali construit sa maison. Leïla travaille, c'est une phrase. Ni un groupe nominal, Leïla, groupe nominal, sujet, ou travail, ou le groupe verbal. Fait travail, groupe verbal, donc le groupe verbal formé que d'un verbe, qui est le verbe. Le groupe verbal qui est le verbe, Leïla construit, ou sa maison, Leïla complément. D'accord? On passe maintenant pour faire l'exercice d'entraînement. Je m'entraîne. La question, c'est je souligne le groupe nominal sujet et j'encadre le groupe verbal. Je vais vous dire le groupe nominal sujet, je vais start maintenant. Ou le groupe verbal, je vais dire encadre, mais je entoure, encadre. Donc, je start. Les enfants rangent leurs affaires. Oui, le verbe, c'est le verbe ranger. Donc, le mot qui se situait avant le verbe, c'est le groupe nominal sujet. Donc, les enfants. Et le groupe verbal, on va le encadrer. Certains automobilistes ne respectent pas le code de la route. Donc, ici, où est le groupe nominal? C'est certains ou bien certains automobilistes. Parce que respect, c'est le verbe. Certains automobilistes, c'est le groupe nominal, sujet, et le groupe verbal ne respecte pas le code de la route. Les musulmans et les juifs vivent en bon voisinage. Où est le verbe? Donc, c'est le verbe vivre. Donc, le groupe nominal, c'est le groupe nominal, ou le verbe, ou le mora, on encadre
Donc c'est le groupe verbal. Le royaume du Maroc a repris sa place dans l'OA, l'Organisation de l'Unité Africaine. Donc ça c'est le verbe. Donc le royaume du Maroc c'est le groupe nominal. Groupe verbal. Encadrer le groupe verbal et souligner. Quand on t'aborde la question, wesh entourer ou la encadrer, wesh souligner le groupe nominal ou encadrer le groupe verbal ou là le contraire. Maintenant, l'évaluation, je m'évalue et je consolide mes acquis. Je complète par un groupe nominal ou un groupe verbal. غادي نكمل إما بجروب نومينال ولا بجروب فيربال. إذا كنت محتاج جروب نومينال غنكمل بجروب نومينال، إذا كنت محتاج جروب فيربال غنكمل بجروب فيربال. Pour réussir, doit bien travailler. Donc هنا ممكن نديرو واحد لو برونو. Donc نديرو par exemple هنا elle doit travailler. Pour réussir, elle doit bien travailler. Donc هنايا je me donne un groupe nominal comme un pronom personnel. D'accord. Malika Issa, donc on a le groupe nominal, c'est le groupe nominal sujet, donc on a un groupe verbal. Malika Issa joue près de l'école. Par exemple, joue près de l'école. Elle joue près de l'école, c'est le groupe verbal. Sont venus nous rendre visite. Sont venus nous rendre visite. Donc, fait de la phrase, محتاجين le groupe nominal. هذا c'est le groupe verbal, nous محتاجين le groupe nominal. Donc, on met ici mes amis. Mes amis. Mes amis sont venus nous rendre visite. D'accord? Sont venus. Sont venus nous rendre visite. Ahmed et ses amis, chaque dimanche. Chaque dimanche. Donc, on a Ahmed et ses amis, par exemple, sortent. Chaque dimanche, qui rejoue, kulla had. Ahmed et ses amis sortent chaque dimanche. Donc, haka gadi nkunouk mina la vidéo dielna. Kantmina innakum tishtarku demo qana tarbouyat ma l'Ustad Mohamed al-Bukhari bil-shirak. Waddaqt ala zar al-jalas li kayisalakum jami'a al-videouat, inshallah. Kana ma'akum l'Ustad Mohamed al-Bukhari. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.